C'est important, c'est la recommandation d'usage. Cela dit, ça va être une courte vidéo, alors je sais pas, c'est comme vous voulez, mais moi c'est café. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine soin du matin. Alors vous avez été très nombreux à me la demander. Je sais, toutes les autres disent la même chose, mais là c'est vrai. Donc je commence par la routine soin du matin, et la dernière que j'avais faite remonte à novembre je crois, puis j'avais voulu faire un truc un petit peu sympa, en musique et tout, et en fait ça vous avait pas vraiment plu. Non, ce que vous aimez c'est quand je parle, quand je blablate, quand je déblatère, quand je vous saoule, quoi, hein, voilà. C'est comme ça, je le sais maintenant, hein. Je veux dire, ça fait un moment qu'on est au courant, que vous l'êtes. Donc voilà, bah, je vais vous parler hein, de ce que je mets sur ma figure. Alors j'ai appelé ça, enfin je pense que je vais appeler ça dans le titre, ma routine presque minimaliste, parce que en ce qui me concerne, oui, vu le peu de produits que je mets sur ma figure actuellement, c'est quasi minimaliste. Mais pour quelqu'un de vraiment minimaliste, je suis encore dans le... tu vois, dans la grosse société de consommation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer par les nettoyages. Je vous ai pas filmé, je vais essayer de vous faire des petites incrustes, mais ça j'ai oublié. Non, je... écoutez, je me désespère moi-même, hein. vraiment. Donc bref, je me lave le visage après la nuit, j'aime bien, alors voilà, il y a deux écoles, il y a ceux qui estiment que la nuit on n'a pas transpiré, on n'a pas besoin de se laver le visage, moi je pense que ça dépend de votre type de peau. Alors est-ce qu'il y a une part de psychologique ou pas? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire, moi je pense sincèrement que non, je pense qu'il y a des peaux qui sécrètent plus de sébum la nuit, qui transpirent, enfin surtout en ce moment avec les grosses chaleurs. Moi j'ai vraiment besoin de me nettoyer le visage, d'enlever tout simplement la crème de la veille, ou le sébum, ou la transpiration, donc voilà, c'est important pour moi de me nettoyer le visage correctement le matin, même si je ne suis pas sortie, j'ai pas été à l'extérieur, il n'y a pas eu la pollution, etc, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends quand même un nettoyant doux, et là encore une fois je remercie Angie de la chaîne Hot & Flashy, qui utilise celui-ci, le CeraVe Hydrating Cleanser, que je vous ai pas filmé en action, n'est-ce pas? Je l'utilise, enfin je me nettoie le visage avec une éponge de konjac, on en trouve partout, celle-là moi je l'achète chez Nocibé, j'essaierai de vous trouver un lien, voilà, si moindrement vous n'avez pas un Nocibé à côté de chez vous, enfin c'est des choses, enfin une éponge de konjac, franchement ça c'est démocratisé, on en trouve partout maintenant, et le CeraVe on le trouve sur Amazon, puisque c'est un produit américain. L'avantage de ce nettoyant c'est qu'il est extrêmement doux, qu'il n'a pas de sulfate, donc il agresse encore moins le film hydrolipidique de la peau. Il est avec des céramides et de l'acide hyaluronique, mon très cher acide hyaluronique, n'est-ce pas? La contenance est assez phénoménale, je l'ai depuis vraiment assez longtemps, et voilà, c'est 355 ml. Donc ça se présente comme une crème. Bon, j'essaierai de vous faire une incruste. Tu vas voir, je vais l'oublier. Bon, je le fais maintenant. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est comme une petite crème en fait, c'est pas du tout comme un savon, ça mousse pas, c'est voilà, c'est comme si on s'est nettoyé le visage avec une crème, mais la peau est vraiment très propre, très assainie, et en même temps, bon bah pas desséchée, puisque ça n'a pas altéré le film hydrolipidique de votre peau. Et maintenant, j'en fais quoi? Fais-moi penser à prendre un torchon, hein, je crois que je fais une vidéo, merci. Ça c'est fait, donc je me nettoie le visage, hein, même le matin, donc je me sèche le visage. Hein. Et puis j'enchaîne avec donc le sérum contour des yeux que je vous ai présenté dans mes favoris de la dernière fois, dans la dernière vidéo. Donc le Sub-Q Eyes Advanced Serum de la marque Hyalamide, c'est mon deuxième flacon. On en met vraiment une petite goutte que je sépare sur mes deux pulpes et puis que j'applique délicatement sur mon contour des yeux. Enfin vous le voyez en image. Bah écoutez, mon amour pour ce sérum ne se dément toujours pas, hein, c'est mon deuxième flacon comme je vous le disais, j'ai eu une offre lors du Black Friday, ça remonte à novembre, depuis je l'ai racheté. Alors évidemment il est un peu cher, pour ne pas dire, mais il est cher, hein, 36€, 15ml, c'est cher, enfin je sais pas, mais bon je trouve ça cher. Mais tant pis, c'est un produit qui arrive à éclaircir un petit peu la couleur des cernes, et alors ça c'est suffisamment rarissime pour être signalé. Donc oui, je trouve que depuis que je l'utilise, mon contour des yeux est bien plus hydraté, mes cernes sont beaucoup moins creusées, la couleur est atténuée. Vraiment, je pourrais pas m'en passer, il est vraiment exceptionnel. Je l'ai, c'est mon deuxième flacon. Voilà, qu'est-ce qu'on rajoute? Bah si, allez faire un tour sur la vidéo dans laquelle j'en parle de façon un peu plus exhaustive pour vous dire ce qu'il y a, toutes les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas épiloguer davantage. Ensuite j'enchaîne avec une eau florale qui chez moi fait office de tonique. Moi j'utilise l'eau florale d'Hélicrise, c'est de l'italienne, pas de la corse. Je sais que les puristes préfèrent l'Hélicrise corse, je suis d'accord avec vous, mais moi je suis allée au plus pratique. Je l'ai trouvée dans mon bio, c'est bon, et je l'ai prise. Voilà, pendant un moment j'ai utilisé de l'eau de rose pour faire office de tonique, et ma foi j'étais très contente, mais là bon tu vois, immortel, enfin voilà, l'autre nom de l'Hélicrise c'est l'immortel, alors voilà,
rien qu'en soi, le nom est une promesse, donc autant le mettre sur ta figure. Bon, elle a quand même des vertus reconnues aussi, c'est pas que parce que le nom me parle, tu vois. Donc en fait, ses vertus sont essentiellement d'activer la circulation sanguine, elle est aussi cicatrisante et apaisante. Mais moi, je la prends essentiellement pour le côté activation de la circulation sanguine, pour réoxygéner les tissus qui, après la nuit, bon, ont besoin d'être un petit peu relancés, pour relancer la machine, quoi. La machine cellulaire, tu vois. Je l'utilise aussi parce qu'elle a des vertus raffermissantes et tonifiantes. Bon, ça, c'est la méthode Coué, hein. Je veux dire, t'y crois pas, bon, enfin, écoute. En tout cas, moi ça me permet d'enlever un petit peu le calcaire de l'eau sur ma figure, d'avoir un petit côté, une eau, et c'est surtout, je ne la sèche pas, celle-là, parce que je fais pénétrer mon sérum, le fameux, hein, le sérum Clem à la vitamine C. Alors je sais que certaines d'entre vous ont pu bénéficier du code promo que l'une d'entre vous nous avait donné, je te remercie vraiment, voilà, parce que certaines ont pu l'avoir à 9€. En ce moment, il est à 13€, moi je l'ai toujours payé 29€, non mais c'est toujours comme ça, hein, dindon de la farce, c'est bibi. Donc c'est mon fameux sérum à la vitamine C. Pareil, je vous en parle de façon plus exhaustive dans ma vidéo concernant mes favoris, donc je vous y renvoie. Mais je fais pénétrer ça sur une peau mouillée, parce que je vous avais raconté dans ma vidéo, je me répète, hein, je radote, la dame radote, que j'avais vu sur le blog de Mathilde Lacombe que les ingrédients pénètrent beaucoup mieux sur une peau humide, parce que c'est le coup de l'éponge, vous savez, l'éponge mouillée qui absorbe mieux que l'éponge sèche. Cette méthode d'appliquer un sérum sur une peau mouillée marche du feu de Dieu. Le truc, la peau le boit, voilà, comme une éponge mouillée. Si vous le saviez, tant mieux. Voilà, je découvre ça sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et si vous ne le saviez pas, écoutez, tentez, je vous assure que c'est assez fascinant. Puis ensuite, on arrive déjà à l'avant-dernier produit, truc de... je ne sais pas, je me surprends moi-même, hein. La vieillesse a cet avantage, c'est qu'on lâche des choses. Et ma foi, je crois qu'on comprend aussi que, si tu veux, c'est pas la peine d'en faire trop. Bref, j'utilise sur le contour des yeux, dans un premier temps, une petite goutte, voilà, toute petite, pareil, et je fais pénétrer sur le contour des yeux mon huile de graines de pin maritime, la fameuse. Et alors, grande révolution dans ma vie, je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, que ma peau, la peau de mon visage, alors autant mon contour des yeux, les huiles, je ne jure que par ça, ça a sauvé mon contour des yeux, voilà, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Sur le visage, j'avais du mal, je trouvais que ça me dilatait les pores, alors... Je pense que c'était parce que les huiles n'étaient pas forcément très adaptées. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver l'huile qui match à perfection avec votre type de peau. Écoutez, moi c'est celle-ci, hein, parce qu'en ce moment, je me retrouve à n'utiliser que ça. Et plus de crème de jour. Et étant donné que c'est une huile sérum, appelée une huile sérum, c'est que c'est comme un sérum, c'est incroyable. Alors j'en mets une pipette dans le creux de ma main, je fais chauffer mes mains sont vraiment très très chaudes, et je l'applique comme ça, par pression. Et ça suffit largement, hein, c'est voilà, on en fait bien pénétrer de cette façon-là, c'est pas la peine de faire des mouvements incroyables. Mais par contre, après, ça c'est important qu'on en parle, je fais un massage liftant. Alors j'avais tendance, pendant plusieurs années, j'avais fait tendance à faire plutôt des massages du soir et des massages relaxants. Alors, ce qui a changé dans ma vie... Non mais là, on fait deux minutes, une digression. Oh bah vous êtes habitués, hein, voilà. Bon. Puis de toute façon, vous aimez que je parle, alors je parle, hein, ouais. Une fois que j'y suis, une fois que j'ai branché mon matériel, j'optimise, hein. Donc, pendant très longtemps, hein, je faisais des massages le soir. Mais ce qui a changé dans ma vie, c'est que maintenant, je ne vais plus au sport le soir, j'y vais le matin. Donc, si vous voulez, mes soirées sont optimisées. Hein, déjà, entre la photomodulation, enfin, vous verrez le... Voilà, je la flemme, quoi. Et puis, je me couche, moi, à 10h, tu vois, avec les poules, hein, pour me lever à 5h le lendemain pour aller au sport à 6. Donc, voilà. Parfois, pas tous les jours. Non, mais ça aussi, on en parlera, parce que je sens que les gens vont... Tu vas à 5h, mais comment tu fais? Non, mais on se calme, hein, c'est bon. Parce que moi, dans mon emploi du temps, hein, j'essaie de rationaliser comme tout le monde, tu vois. Bon, bah, il y avait que ce moment-là. Donc, bon. Pendant un moment, j'ai fait la visa pure de Philips, qui marche très très bien. Mais il se trouve qu'en ce moment, j'ai un peu plus de temps, et que dès que je peux, dès que j'ai du temps, alors que ce soit le week-end, ou même un matin, où je vais pas tout de suite enchaîner sur le boulot, etc., je m'offre ça, un massage liftant. Alors, je vous mettrai en barre d'infos, allez la checker, des vidéos qui m'ont inspiré, qui m'ont montré comment le faire. Évidemment, ce sont des japonaises ou des coréennes, ou enfin des asiatiques, hein. Je crois que de toute façon, en matière de cosmétique, de lutte contre l'avancée dans l'âge, je crois qu'elles sont vraiment, tu vois, ce sont les reines, hein. Clairement, on ne peut que s'incliner, n'est-ce pas? En fait, je me suis toujours intéressée au massage, voilà, parce que je le faisais le soir pour me relaxer. Les vertus de... Enfin, voilà, le fait de stimuler les cellules de cette façon-là par les massages, voilà, de réactiver la circulation sanguine, plein de choses. La stimulation cellulaire, comme on dit, les massages jaquets, c'est connu depuis les années 1920. Donc, voilà, c'est des choses que je pratiquais plus ou moins. Et là, je suis passée à un level un petit peu, c'est-à-dire, je suis allée quand même regarder
voilà, des vidéos de filles qui faisaient ça de façon... Enfin voilà, j'ai affiné un petit peu la technique. La mienne n'est pas du tout professionnelle, hein, voilà, je vous montre un petit peu ce que je fais. Mais vous allez voir que franchement, quand on commence par un œil, bon alors on a une tête de... débile. Hein. Bon, je n'ai pas beaucoup de dignité, hein, je veux dire, sinon je ne ferai pas des vidéos sur YouTube. Voilà. Son dévassage, on n'y va pas, c'est pas pour se relaxer, c'est vraiment de façon très, comment vous dire, le geste est soutenu, quoi. On y va avec des gestes appuyés, hein, on stimule vraiment les cellules de votre peau. Et vous verrez, enfin franchement, vous le testerez sur vous, sur un côté, juste un œil. C'est sur les sourcils, je trouve, c'est sur vraiment... ouais, c'est sur la paupière du haut que c'est le plus flagrant. Et voilà, j'essaie de faire ça, alors je le fais entre 5 et 10 minutes, hein, donc je me mets pas... voilà, je suis pas dans un institut. Franchement, j'adorerais me payer des séances de Holy Fitness, mais bon, ça c'est que pour les parisiennes, hein, nous en province, on s'en soit dessus. Et donc, ce sont des massages où on prend vraiment... enfin, je sais pas si vous me verrez, mais on prend vraiment le muscle, par exemple, lorsque je fais ce geste de... je m'arrête vraiment là, je prends le muscle de la joue et je le pousse vraiment, je le presse vraiment vers le haut. Alors je ne sais pas si c'est très académique, hein, je ne suis pas une professionnelle des massages, mais ma foi, j'ai pu constater sur moi que effectivement, voilà, le teint est beaucoup plus, enfin je suis presque liftée. Alors, on s'entend, ça ne dure pas, tu vois, faut recommencer après, hein, le lendemain. Mais en tout cas, pour la journée ou avant une soirée, un événement, etc., on est quand même, je dois dire, on a un teint radieux. Si, si, si. Donc je termine aussi par un mix avec des massages jaquets, je fais du palpé roulé, tout ça, ça active la circulation. Enfin voilà, vous le voyez en image. Je sais pas comment je vais faire ça au montage, si je vais vous mettre de la musique, si vous allez m'entendre blablater par-dessus, je ne sais pas trop. Ou si je mettrai des sous-titres, voilà, on verra bien. Et donc en fait, ce sera beaucoup plus simple que je vous mette le massage dans son intégralité à la fin de la vidéo. Voilà. Alors en fait, le principe, c'est de tout remonter vers le haut. Hein, voilà, c'est une histoire de contrebalancer la gravité. Tu vois le... Donc vous voyez, prendre aussi, voilà, pour le double menton, si souvent vous me dites oui, alors pour le double menton, bah écoutez, essayez les massages. Ça, si vous le faites, bah, je sais pas, vous pouvez le 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, vous êtes dans votre bagnole, vous êtes dans les embouteillages, hop hop hop, vous avez l'air bizarre, mais on s'en fout, du regard des autres, on s'en fout. Vous attrapez vos deux pouces, et puis vous malaxez bien le menton qui est en train de tomber, vous malaxez bien la mâchoire pour que les choses se retendent naturellement. Le cou, n'oubliez pas, toujours vers le haut. Donc voilà, vous me voyez faire en image certains gestes. Moi, je fais ça 5 à 10 minutes. Et ma foi, j'ai quand même toujours les vertus du massage. Et puis en même temps, ça lift quand même vachement les choses. Le sillon œsogénien se marque beaucoup moins. Tout est retendu et ça marche vraiment bien. Bon, après, ça dure pas dans le temps. Hein, faut recommencer. Hein, voilà, c'est sisyphéen cette affaire, n'est-ce pas? Et puis ce qui compte surtout, c'est la régularité. Ça sert à rien d'aller faire une heure de massage une fois tous les 3 mois. Si vous faites 5-10 minutes tous les jours... franchement, déjà, vous aurez des résultats. Et testez vraiment le coup de le faire que d'un œil. Vous verrez juste ce truc du sourcil. C'est drôle. Je vous assure, la première chose. Je vous mets en barre d'infos les vidéos qui m'ont inspiré. Hein, je fais un mix d'un peu tout. Voilà. Pour les grosses feignasses, il existe la visa pure. Hein, et ça m'arrive d'être une grosse feignasse, croyez-moi, surtout en hiver. Voilà. Mais c'est déjà mieux que rien. C'est fortement inspiré également des massages japonais. C'est comme si vous aviez 750 tapotements légers sur le visage. Donc ça active là encore la circulation sanguine. C'est une très bonne brosse. Le matin, moi, comme je vous disais, ma logique, c'est vraiment de réactiver la circulation sanguine à mort. Alors évidemment, très important, rosacée, coupe rose, etc., c'est pas pour vous. Hein. Les massages, justement le fait d'activer la circulation sanguine, il est évident que vous, c'est les trucs à éviter. C'est-à-dire que je sais que même le sport, parfois, peut être interdit à certaines personnes parce que si ça active trop la circulation sanguine, vous vous retrouvez avec des rougeurs, avec des choses, donc ça, c'est pas pour vous. Et enfin, last but not least, mon écran total, hein, surtout en cette période. Alors celui-ci, je l'ai découvert grâce à vous. C'est le Serein Sun Fluid Anti-Âge tout type de peau. En plus d'être un excellent protecteur solaire, filtre solaire, c'est aussi une excellente base de maquillage. Il se trouve que moi, en ce moment, ça s'arrête là, hein, la routine, un peu d'anti-cerne et basta. Je me maquille pas du tout, c'est pas possible. Qui se maquille dans ces chaleurs-là? Enfin, pour faire des vidéos, n'est-ce pas? J'essaierai de vous retrouver la vidéo dans laquelle j'en ai parlé, puisque j'en ai parlé également. Et voilà, et c'est toujours lui. Et voilà, c'est tout pour ma routine du matin. C'est tout. S'entend, hein. Déjà pas mal pour certains. Pour certains, ce sera beaucoup. Pour d'autres, ce sera très peu. Mais moi, en ce moment, c'est ce qui convient à ma peau. C'est ce qui me va. C'est ce que j'aime faire aussi. N'oubliez pas que ces produits-là marchent très bien sur moi. Ce sera peut-être pas le cas pour vous. Hein. Je préfère le préciser. Non, parce que des fois, j'ai des commentaires. On se demande, hein, on se demande. Ah, si, 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 si. J'oubliais. Je mets quand même, le matin, une crème... pour les mains, c'est évident de ne pas avoir des mains de crocodile, parce que j'ai un peu des mains de pêcheur norvégien, donc c'est pour ça que Neutrogena, c'est un peu ma marque fétiche, n'est-ce pas? Ou de bûcheron, c'est selon, mais enfin bon,
plutôt des mains de pêcheurs norvégiens. J'ai des mains hyper sèches. Je me lave trop les mains tout le temps. Donc moi c'est Neutrogena hein, et puis bah, y a pas mieux. Et le matin quand même j'utilise bah, celle-là, la crème main anti-tache avec un SPF 25. Parce qu'après on peut avoir des taches hein, pareil sur les mains et... Ah si, c'est une mouche, hein. je confirme, c'est une mouche. Ça sert à rien d'avoir un visage qui a été protégé du soleil si vos mains trahissent votre âge, c'est un peu couillon. Hein. Donc ça, c'est une très bonne crème, elle pénètre très rapidement, beaucoup plus que celle que j'utilise le soir, qui est vraiment un truc, un baume, mais bon, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, des mains de pêcheurs norvégiens, il faut ce qu'il faut. Donc, celle-ci est parfaite, et voilà. Donc, et c'est tout, et point barre. Hein. Voilà, et on s'arrête là, hein, c'est déjà bien. Donc, bah écoutez, je vous embrasse. La prochaine vidéo, je pense que ce sera ma routine du soir, tant qu'à faire. Hein. On les fait par deux, c'est mieux. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.